Il recevait Istres. Pour les Bastiais, auréolés d'un succès à Alès et d'un bon comportement à Lille, les choses commençaient de la meilleure manière qui fut. 9e minute, coup de pied en coin, Meyer mettait à profit la bévue de la défense adverse pour ouvrir joliment la marque. On le revoit d'ailleurs. On pouvait raisonnablement penser que Bastia allait s'imposer comme ici Solomenko, mais Istres faisait donner son ambulance. En l'occurrence Diaz, qui surprenait tout son monde d'un tir à ras de terre. Et puis si la première mi-temps avait eu un rythme proche d'un boléro que Ravel, le gardien d'Istres, n'eût pas dénié, la seconde période allait avoir un tout autre tempo. Bastia accélérait, Santos puis Solomenko allaient donner le frisson à Ravel. Lippini à son tour y allait, en solo, ma non troppo. Et puis Bastia obtenait la juste récompense de sa domination, passe de Solomenko à son capitaine Marchionne, dont le tir croisé était synonyme de victoire pour le SECB, qui peut désormais attendre demain et Lille plus sereinement.